nom d'utilisateur, j'ai pas compris. Et hop, on va faire un temps fort. C'est important. Comprendre, je parle tout seul. Je parle et vous écrivez. Chacun ses possibilités. Et puis je vous ai mis Pino. Pino, ça, Pino plus de 5000 vues. Hein. Je vous mets des vidéos importantes. Pino, le taxi, qui précise justement que jusqu'en 2023, fin 2023, le terminal 1 et 3 vont être fermés à Roissy. Si ça, ça vous dit pas quelque chose, l'Irlande reconfine. Ben voilà, les Irlandais peuvent pas voyager, mais ils ont quand même une application qui leur permet d'aller en Italie et en Allemagne. Les sacrés vénards. T'es Irlandais, tu vas pouvoir aller en Italie et en Allemagne. Tu peux pas. Ah bah dépêche-toi, parce que une fois donc la passerelle, enfin la pandémie terminée, on fait tomber la passerelle, tu pourras plus bouger. C'est une tech qui va s'installer, évidemment, qui s'installe. Ce sont les prémices du Covid Pass proposé par le Forum économique Davos. Certains parlent d'un complot chinois. Non mais ça c'est le complot chinois, si on te dit le complot chinois, c'est pour que tu regardes ailleurs. C'est comme en ce moment quand on parle donc d'une division entre religions, tu regardes ailleurs. C'est comme les collapsos. Ceux qui sont là pour la chute, pour l'étude de la chute d'une civilisation. Ça va, Jésus gilet jaune? On a Jésus gilet jaune dans le live. Je t'ai vu arriver, j'ai Jésus. Il ne s'agit pas d'aller taper sur tout le monde comme ça. Là, vous vous divisez, là. Le vrai sujet, c'est pas justement le réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique, évidemment. Mais c'est pas le sujet le plus important. Le plus important, c'est la chute économique. Et là, vous avez des gilets jaunes, je comprends leur raisonnement, qui vont dire « Oui, mais les commerçants, ils commencent à pleurer. Mais nous aussi, à l'époque, on parlait des mêmes choses, ils ne sont pas venus nous retrouver. Mais on est quand même en division. Les commerçants qui, peut-être, bientôt, vont rejoindre les gilets jaunes, mais ça peut prendre du temps. Enfin, est-ce que ces différentes personnes qui manifestent vont se retrouver? Ils veulent une guerre civile. C'est pour ça que certains vont vous dire « Vous restez chez vous pendant 15 jours ». Comme Maria qui le dit, vous restez chez vous pendant 15 jours, vous ne travaillez plus, vous ne consommez plus, et vous faites chuter tout ça. Ben bon, c'est facile, c'est comme ceux qui vous disent, vous arrêtez de prendre de l'argent au distributeur. Non, vous prenez tout votre argent au distributeur. C'est que tout le monde va le faire. Tu penses pas qu'il y aura une guerre civile? Moi, je suis sûr de rien, mais guerre civile demain, ça m'étonne. C'est comme le reconfinement le 26 ou le 28 à 10%, j'y crois, mais j'aime pas dire ça. C'est 19h30? Non, mais on a le droit jusqu'à 21h. Je peux pas vous dire qu'on va être reconfiné la semaine prochaine, j'y crois pas, mais bon, après c'est ce qui se dit. Maintenant on est parti avec un couvre-feu qui pourrait commencer à 19h. Déjà, des fois, faut que je cours, pas parce que j'ai peur de me faire attraper par la patrouille, mais parce que quand je finis, l'autre fois, j'ai couru, parce que là où je fais mes courses, ça ferme à 21h. Et que j'étais limite. Il faut choisir sa boutique et y aller avant que ça ferme. Parce que là... Parce que pendant le confinement, le premier confinement, on pouvait aller dans certaines boutiques qui fermaient plus tard. Ah, peut-être faut que je retrouve une boutique qui ferme plus tard. Je sais pas si ils ont le droit de fermer plus tard. Vous avez des restaurateurs, enfin plutôt des traiteurs et des restaurateurs qui ferment très tard, même à 1h du matin. Parce qu'il y a du « délivrez-vous » et il y a du « Uber » et du « autre chose », je sais plus quoi. Couvre-feu à minuit en Belgique. Après-midi, ouais. Ah, c'est un sacré bazar, je sais pas si on va s'en sortir. Bon, attends, j'en suis à combien de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ah, vous m'avez bien fait parler, hein. J'ai fait beaucoup de temps fort pour l'instant. Je suis le mec à faire livrer la bouffe. Non, mais ça serait intéressant que je fasse ça, parce que j'en ai marre à faire les courses. J'ai plus le temps à ça. Il faut que j'optimise. Et si je veux plus de temps pour vous et pour mes vidéos et beaucoup de choses, il va falloir que j'arrête de courir à droite et à gauche. C'est le temps des fondus. Indigo, il y a une ubérisation en ce moment. Hein. C'est Uber qui s'en prend plein les fouilles. Et il y a aussi Amazon. Et vous allez bientôt vous faire livrer par un petit drone qui va bien cibler votre jardin, votre terrasse, pour vous fournir votre produit préféré. Vous allez vous tourner vers l'ubérisation. Et vous allez vous-même un petit peu plus faire couler. Quel médecin qui m'inspire? La télé? Mais on parle pas de la télé.
On parle de ceux qui peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci d'avoir été